Elle l'a feuilleté pendant des années avec ses parents, puis avec ses petites filles. Et toujours pour Arlette, les mêmes habitudes. Quand je commande, en général, je fais un rond et je marque ici « commandez-le ». Printemps-été 2014, le dernier catalogue, la fin d'une époque pour cette retraitée. C'est des bons souvenirs, oui, oui. Le catalogue qui est arrivé, en plus, par exemple, le printemps-été, ben, quand il est arrivé, oh, on en avait marre de porter nos pulls, nos pantalons, donc on allait feuilleter le catalogue. Édité depuis 1932, le Big Book est une institution, mais il n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. La mode change, notre client d'aujourd'hui veut de la mode de plus souvent, avec des collections plus fréquentes, avec des articles qui soient plus dans la tendance de ce qu'elle recherche. Les collections basculent sur Internet, un outil plus flexible. D'ailleurs, pour le groupe, les achats en ligne représentent déjà 80% du chiffre d'affaires. Un virage indispensable donc, mais qui inquiète les syndicats. Suite à cette annonce, nous craignons des licenciements. Sur le web, il faut forcément moins de métiers, moins de papiers. Une réduction d'effectifs sera nécessaire pour mettre en place ce nouveau plan. Déficitaire pour la cinquième année consécutive, le groupe a perdu l'an dernier près de 70 millions d'euros.